Ils sont rouges, bleus ou jaunes, carrés ou rectangles. Les Lego s'exposent en ce moment aux galeries Montparnasse de Paris. Plus d'un million de petites briques Lego pour réaliser des sculptures ou tableaux comme la Joconde, et ça fait briller les yeux des petits comme des grands. Vous allez l'entendre dans ce reportage d'Antoine Bienveau pour Europe 1. Au milieu des tableaux, sculptures et célèbres monuments historiques, tous fabriqués en Lego, Gabriel, 7 ans, a déjà sa préférence. Le T-Rex. Il était comment le T-Rex ? Énorme, immense même, car plus de 80 000 briques ont été nécessaires pour réaliser le dinosaure. Anaïs, adolescente mordue de Lego, a elle été impressionnée par une galerie obscure remplie de têtes de mort scintillantes. J'aime beaucoup ça va paraître très glauque, mais l'allée des crânes. C'était impressionnant de voir toutes les sculptures. Chez les adultes aussi, l'exposition fait mouche. Adrien, en visite avec son neveu, en ressort conquis. La qualité, la ressemblance par rapport aux œuvres d'origine, c'est très très bien fait. De l'émerveillement aussi dans les yeux de Martine, la soixantaine, qui a presque l'impression de visiter une galerie d'art. Extraordinaire, les couleurs, les personnages, et puis imaginez aussi comment il peut emboîter tout ça. Oui, c'est de l'art. La sexagénaire ne s'arrêtera pas dans la dernière salle, dans laquelle trônent deux immenses piscines remplies de Lego, véritable paradis pour les plus jeunes enfants. Antoine Bienveau pour Europe.